If you're a bitch, what do you think? Fire. Catch a case, one times patrol with a pic of your face. Four deep in the lack, that's Jack mode. Underwear to set neutral dress code. Drive-bys trying to pull grand theft. Bandanas on the antennas, neighborhood death. Rats fucking niggas for ends, bitch please. Easily, friends turning to enemies. Trying to check a couple dollars, but it ain't long. Jealousy and shots if the weight wrong. Stay strong. God well, growing up in the hoods, no fairy tale. Smack City, and can't y'all tell? Welcome to the city where it's dead or jail. Steady eating good, we pour licks. Staying deep like OGs and jail pics. Yeah, welcome to the land. Welcome to the land. Welcome to the land. Straps a couple birds in your hand. Yeah. Welcome to Los Santos. Welcome to Los Santos. Welcome to Los Santos. Welcome to Los Santos. Where it's easy to get some weight. Hop in the stolen whip and I take you straight to the place. The grand theft and robbery man draped on my face. A cold bastard, closed casket, seal my fate for this almighty dollar dollar. When we doing what we do, you know we do it proper. And all these doctors and psychiatrists can't save me. I'm crazy, every day these Los Santos streets gon' pay me. Watch the original and subscribe to Dame Drops. Use our cover.
way you deal with Islamic State is to kill them, keep on killing them, until you kill the last one, then you kill his pet goat. That's the result you gonna get! Don't you ever talk about... Oh putain, j'ai tout qui est planté. Oh la vache. Oh la vache, oh le bruit de la mort. Le bruit du désespoir. Arrête le plugging. Non. Nine. La vidéo de My Little Pony qui a tout fait planter sur la planète. J'ai Explorer qui vient d'exploser. Non mais c'est bien, quand t'as Internet Explorer qui marche plus. Allez, contrôle te supre. Internet Explorer quand même, hein. C'est pas rien. Est-ce que du coup Putain, je suis obligé de le relancer. Contrôle te supre. Allez, nouvelle tâche, mec. Explorer. Oh là là. Oh le bureau. Oh le beau. Arrête le plugin, arrête tout. Arrête tout, cocotte. Y a plus rien qui marche. Arrête tout. Tu fermes Twitch. Tu fermes tout. Tu tues la planète. Voilà. Tu arrêtes. C'est fini. C'est fini maintenant. Il y a une époque, tu pouvais espérer que ça passe, mais là, ça ne passe plus. Du coup, ils s'impatientent ces glandus. Tiens, bouffe.
of his spear. I am the mail that is faced. I am the bane of his foes, and the woes of the treacherous. I am the end. Oh! It's Kushi! Tout ceci est proprement délicieux, proprement délicieux. C'est ça qui est bon. Est-ce que tu peux t'arrêter, par contre, 5 secondes, Jean-Claude? Merci, s'il te plaît. S'il te plaît, respectons-nous! Respectons-nous. Oh! Je le vis bien, on est posé, on est tranquille, on n'est pas sur Gaming Live du coup, ça veut dire qu'on est libre. On est libre, on peut dire des choses. Vous pouvez clairement dire que vous votez Donald Trump, vous êtes libre. Vous n'êtes plus sur Webedia, vous n'êtes plus à la télé, vous n'êtes plus chez Gaming Live où c'est la corporatisme le plus total, hein, le plus cachère, où je reste rajouté. Vous pouvez hurler votre... Voilà, vous pouvez hurler Nick Trunks. Nick Trunks, vous êtes libre. Nick Trunks, t'entends ça les voisins? Nick Trunks, voilà, du coup. Nick Trunks, on est bien, on est posé, on est libre. Voilà, tout le monde. Nick Karaté, Nick Verdier, Nick Sapin, Nick Atomium, Nick Trunks, Nick Louise, Nick tout le monde. Nick Bob, autorisé Nick Bob. La liberté selon Monsieur Trump, chers amis, on est là, on est beau. Nick Trump, c'est valide. Nick Trump, c'est valide, c'est légit. Nick, c'est Nick, c'est non. Non. Pas Nick Nipples. Mais tout le reste, vous avez le droit de le niquer, y'a pas de soucis. Voilà, t'es valide. La petite danse est faite. Je me sens déjà mieux. C'est valide, hein, c'est pour ça, c'est propre. On est là. Non, pas nique poupette, pas le droit, on ne nique pas les morts, c'est pas bien, il faut pas. N'est-ce pas Verdun 2016, hein? C'est pas bien de niquer les morts, Verdun 2016, n'est-ce pas Verdun 2016? C'est pas bien, on est d'accord là-dessus. Bien, je suis content qu'on ait clarifié ce point, c'est pas bien. Donc Verdun 2016. Alors du coup, puff. Maintenant je peux lancer Fallout 4. Voilà, et Nick Wilfried, t'as le droit. Wilfried, c'est légit. Poupette, non, Poupette est morte, c'est triste, c'est comme ça. Elle avait même pas un an, c'est la cruauté, ça se fait pas. Mais le reste, voilà. On est bien. Oui, Bébel est là pour être niqué, Bébel. Il faut niquer Bébel. Parfait. Bon. Est-ce qu'ils vont mettre une cinématique comme ils faisaient avant, où ils me disaient les... Ah non, ils me la mettent pas. Pourquoi j'ai pas le droit à la cinématique où ils te disent les points de force, d'endurance, agilité? C'était cool, ça. Je peux pas avoir ça? Je peux pas avoir ça. Est-ce qu'il faut attendre? Juste peut-être en attendant, on l'a, hein. Pique-nique, c'est valide, pique-nique. C'est random. C'est-à-dire, il faut que je redémarre le jeu, du coup. Et ben, redémarrons le jeu.
On redémarre le jeu. Eh oui, au passage, regarde. Nique les unsub. Oh, c'est bon ça. Oh, délicieux, délicieux. La seule chose qu'on ne nique pas, c'est l'argent. Très bien. Du coup. Alors par contre, ne désactivez pas le subscribers mode. Je souhaite qu'il soit activé, ne serait-ce que pour éviter les spoils. C'est tout. Et à tous ceux qui sont unsub, c'est mais Bob, nous on est pauvres, on veut parler, on est la plèbre, on est... Déjà non, déjà c'est une petite, un petit avant-goût de la liberté goût Trump. Et ensuite, c'est parce que j'ai déjà failli être spoilé par un unsub et il vous a pourri tout le terrain. C'est tout, c'est juste pour ça. Hop. Alors que les subs, généralement, tu vois, ils veulent pas se faire bannir définitivement parce qu'ils ont dépensé de l'argent et du coup ils font un peu plus gaffe, tu vois. Donc on ne spoil rien du tout. Mais quand je dis rien, c'est même pas le truc par rapport à la quête que je fais, hein, sauf si c'est une question directe. Mais il n'y a aucun spoil. Aucun spoil. Oui, j'ai entendu que ça gueule. Et j'ai pas les cinématiques d'intro. Pourquoi j'ai plus les cinématiques d'intro? Oh well. Très bien. Ah oui, on voulait s'enfuir en n'aidant pas le négro et ses donzelles. Donc notre ami le black qui nous insulte parce qu'on l'aide et qui nous insulte encore plus quand on refuse de l'aider plus avant parce que c'est pas notre problème. Et du coup, il ose nous parler très très mal, nous faire le full guilt trip alors que j'ai passé 200 ans dans le frigo et que lui, il s'est touché les boules. Il a mis ses testicules dans la tapette à souris, c'est tout ce qu'il a fait. Et du coup, je me suis enfui, mais il y a un Deathclaw... Je sais pas comment ça s'appelle en français, un faucheur peut-être. Un Deathclaw qui est apparu et malheureusement je vais avoir besoin de sa super armure ainsi que d'une Gatling pour en défaire. Parce que malheureusement ce n'est pas avec mon délicieux pacificateur que je vais m'en sortir. Sinon, chers amis, j'ai McCree. Voilà. Faut savoir que je me suis fait chier à essayer de le modéliser. C'est une semi-réussite. C'est un McCree avec la barbe un peu plus courte, donc un McCree un peu plus propre. Mais sinon, la tête est très très bonne. Moi, je suis assez fier. Je suis sûr qu'avec un chapeau, ça rentrait bien. Non, ça n'est pas lui. Ça, c'est une power armure, ça. Ils ont fabriqué tellement de bouteilles. Eh, chef, il y a quelqu'un là-haut. Vous voyez, regardez. Vous voyez ces bandits là-bas? Attends une seconde, j'inverse mes touches, voilà. Voilà, deux pillards, avec un pistolet fait main, un autre pistolet fait main, ça ressemble à une arbalète. Je vais peut-être essayer de lui en caler une, hein. 13% de chance, x 3, it's high noon. Ah mais non, je lui tire dessus au fusil à pompe, annule. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Ah putain. Non, c'est pas ce que je veux. Comment j'accède au raccourci déjà? Raccourci c'est A. Non, A c'est le mode. Pistolet à verrou, fortune, blablabla. Non, non, moi je veux Monsieur Port, voilà. Qui utilise des balles 10 mm. À quoi que le point 38, il y en a beaucoup. Oh well. Qui est là? It's high noon. Pas réussi à toucher, putain. Wouah! Oh putain, mais ils balancent des grenades, les mecs. Et je brûle. Miséricorde. Alors, c'est Q pour les favoris. Mais Q, ça me fait marcher à gauche. Et ça, ça me met en mode... Alors. Q, ça me fait marcher à gauche. Donc A, j'imagine que c'est A. A, ça me fait passer en mode VATS. Je laisse appuyer peut-être? Non, parce que si je laisse appuyer, ça me met en... Peut-être R? Non, c'est pas R. Peut-être T? C'est pas T. Peut-être 1? Non, 1, c'est le raccourci. Eh ben, la précision d'un homme! La précision d'un homme. Quand même.
Alors, tant que j'ai pas retrouvé la touche des raccourcis, on n'avancera pas plus, hein, chers amis. Commande. Mode furtir, courir, favori. F. F pour favori. Très bien. Alors. Pouf pouf. Alors, F. Ouh, ils sont moches. Oh, elles sont bien faites, les ghouls. Hé, chef, y'a quelqu'un là-haut ? Y'a quelque chose par ici. Alors, on va se baisser. On est pour l'instant toujours cachés, donc ils vont se battre. Voilà, très bien. Je le savais. Ok, je viens de comprendre un truc. Attention, on va tenter l'attaque d'opportunité. Petite sauvegarde rapide. It's high noon. Perso, je préfère claquer mes points d'action comme ça. Plutôt que de les claquer dans un VATS, je trouve ça plus stylé. Bien joué, Canigou. Hey. On prend tout. Ok. On prend tout et on revient dans le musée de la liberté. D'accord, tu peux utiliser les chiffres au-dessus de ZQSD comme sur Skyrim. Merci Warwok. Pas de soucis, je ferai ça. Ok, très bien. Alors, c'est encore la panique, parce que c'est encore la bagarre. C'est ça. C'est ça. Ok, manions-nous. Est-ce que c'est comme dans les autres Fallout où quand tu ranges ton arme, tu vas plus vite? Je trouvais ça intéressant comme idée, mais glacière de drogue, y a rien dedans, très bien. Une bonbonne de la viande, il me semble avoir tout pris sur ces minables déjà, je les ai tués. Excellent. Pas de Nuka-Cola dans le distributeur, rien dans le frigo. La pauvreté, chers amis, la pauvreté. Des vêtements de cuir, je les prends. Putain, j'arrive pas à croire que j'ai oublié ce connard. Très bien. Messieurs, bonjour. Scott, yes. Si vous voulez pas nous aider, j'ai rien à vous dire. Maman Murphy. Canigou nous a vraiment trouvé de l'aide. Regardez-moi ça. Ah, c'est ton chien. Ça te dérangerait pas de le reprendre? Déverrouillé. Excellent, ça. Noise. Zéro. Ok. Très bien. Climb. Zéro. Donc ça n'a ni similarité avec Noise, ni similarité avec Climb. Ah d'accord, donc ça a recommencé. Ok, tant bien. North, c'est pas ça. Un truc, donc ça n'a pas de rapport avec North. Non, il n'y a pas de H. Il n'y a pas de O. North, RTH. IDs. Ah, il y a une lettre qui est similaire. Avec IDs. Ça ne peut pas être usual parce qu'il y a un A et un S. Peut-être Wold. Non. Ça ne peut pas être Wold. Towel, peut-être. Non, parce que ça n'a pas de rapport avec North. Il y a un T dans North. Woman. Alors, est-ce qu'il y a un rapport? Oui, il y a un A avec IDs. Mais il y a un N avec North, donc ça peut pas être ça. Relais. Il y a un R dans North, ça peut pas être ça. Bombs. Il n'y a pas de B, il y a un S. Il n'y a pas de S dans North.
Ah non, mais il y a un O dans North, donc ça peut pas être ça. Laser, ça peut pas être ça. Herbs, ça peut pas être ça. Teams, ça peut pas être ça. Goods. Non, ça peut pas être ça. Hides, ça peut pas être ça. Harem, ça peut pas être ça. Masks, ça peut pas être ça. Nick Trunks, ce dudu. Pour le piratage, les similarités sont... J'ai pas eu le temps de le lire. J'ai pas eu le temps de le lire à cause de Dudu. Bravo! Bravo, Dudu! Bravo! Bravo! Bravo, bravo. Regarde, du coup, à cause de toi, regarde, à cause de toi, à cause de toi. On va taper sur un bouton au pif, ça va pas être le bon. Hein. Et on va être baisé! On va être baisé. Voilà, bravo. Félicitations. Voilà, c'est que de ta faute, tu vois. C'est que de ta faute. Très bien. Aside. Rien à voir, très bien. Bouffe. Chose. Joli. Based. C'était based. La réponse, c'est based. Comme Donald Trump. Excellent. On y croit. On n'a rien à se dire. C'est ça. Peut-être rien à se dire, mais j'ai du matos à récupérer. Donc, très bien, donc moi, je récupère j'ai tout un ça. Peu ce que vous allez bien nous oh mon dieu, non. Pourquoi? Pourquoi? Fine. Je vais vous aider, Alors, installer réducteur de fusion dans l'armure cassée. Très bien. Excusez-moi, je suis en train de régler un truc. Voilà, très bien. Allons donc faire ça. Plus de lumière. Bol en plastique, bouteille de bière. Sub-hype, merci infiniment le sub-hype. Hein. Mais quand vous écrivez sub-hype, écrivez le nom de la personne qui s'est subé. Parce que si je le rate, après je peux lire au moins le sub-hype à qui il remerciait proprement. Il est sympa ce droïde, j'en voudrais bien hein, comme ça moi. Dieu, ces temps de chargement. Bon. C'est pas mal ça. C'est pas mal mais c'est chum. Oh! Utskushi! Utskushi? Ok, c'est bon, ça marche? Ok, réduit tous les gars subis, rend totalement insensible aux chutes. Très bien, mon corps est à moitié chargé, j'ai 12 ammo par rapport à mon flingue, très bien. Aucune radiation, 100% de mes HP, je suis légèrement endommagé. Ouais, j'ai une lampe intégrée, très bien. Allons-y. Ah, vous voilà. Ok, très bien.
Ok, j'ai combien de balles? Beaucoup, c'est très bien. J'ai pas confiance, mais allons-y. Ah ! Ah ! Bon bah, il faut de la musique situationnelle. Les enfants. Voilà. Messieurs, dames, bonjour. C'est ça. It's high noon. Voilà. Et ben voilà, tout s'est sensiblement bien passé. Ça consomme quand même de l'essence si je me déplace pas. J'avais pas foncièrement l'impression, mais oh, du Nuka-Cola. Hey. Une chance que personne n'ait pensé à le prendre en 200 ans. Enfin, je vais pas commencer à souligner ça, sinon... on n'a pas fini. Ça, c'est un bon chien. Pom 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 pom. Non. Annule. Sage. Très bien. Très bien. Que faire de cette power armure? Écoute, je vais la laisser là. Comment sors-je d'une armure, d'une power armure? Comment je... Il regarde que si on écrit Nick Truns, tout à fait. Comment je... Non, Elimer, je suis en mode normal, je pense. Comment je sors de l'armure? Je laisse appuyer sur E. Ah, merci. Ça, je dois reconnaître que c'est très stylé. Oh. Oh là là, c'est classe. Hein. Je vais récupérer ça, cependant. Ouais, je vais récupérer ça et puis... Et puis voilà. Et pourquoi marche? Est-ce que je suis trop lourd? 294 sur 230. Aïe. Qu'est-ce qui pèse trop lourd? Trier, Z. Donc ça doit être W. Très bien. Trier par dégâts. Trier par CAD. Je sais pas ce que ça veut dire, CAD. Cadence de tir, d'accord. Portée, précision, poids.
Par poids, d'accord. Ça pèse combien, ça? Ça pèse 27 kilos. Aïe. 12 kilos, 9 kilos, monsieur porte, arme lumineuse, arme de verrue. Blablabla. Mais j'imagine que c'est les tenues dans ce cas-là qui me pèsent lourd. Dégâts, valeur, poids. Bon, écoute. Récupère ta cellule, sinon les PNJ peuvent te piller l'armure. Ils peuvent ? Oh ! Ça, je trouve ça, c'est... Ça, je trouve ça pas mal. Je trouve ça bien foutu. J'ai pas envie de marcher jusqu'à là-haut. Est-ce que je peux poser des choses dans l'armure ? Attends, fais voir. Option. Jouabilité. Ouais, je suis en normal, me faites pas chier. Ok, Vous équiper d'objets cassés tant qu'ils n'ont pas été réparés. Très bien. Oui. Ah, il lui manque effectivement une partie du bras gauche. Intéressant, ça. Intéressant, intéressant. Comment vais-je faire? Comment vais-je faire? Comment vais-je faire avec mon délicieux McCree? Oui, parce que ça, c'est trop lourd, mais... Écoute. Je vais pas le poser, si? Pas envie. Pas envie, pas envie. Tu as loupé des subs dont celui de Duaner. Oh, il est guaqué! C'est pour ça mes subs hype! Mais merci, mais de rien, l'amour. L'homme de l'ombre. Il est guaqué. Mais j'étais... comme sur Skyrim, victoire sur ton compagnon, Bob. Mais c'est un chien. Hé! Hey. Par ici. Ok, très bien, très bien. Ok, très bien. Ok, très bien. Alors attends, je regarde juste s'il y a... Voilà, il y a un truc, ça c'est plus de charisme, chapeau de la milice, on va le prendre. Vitesse, dégâts, blablabla, blablabla, poids, blablabla, vitesse lente, plus de charisme, la toque de cuisinier, blablabla, blablabla. Je regarde juste s'il n'y a pas un truc qui donne plus d'intelligence, on sait jamais, mais ça permet d'avoir plus d'XP au moins quand j'en les quêtes. Ça me paraît logique. Et ben voilà. Ok, très bien, très bien, très bien. On le voit mal, mon McCree, mais il est bien foutu, je vous jure. Oh well. Bon. Et ce chien de merde, c'est un putain de buffle. Hein. Oh bah putain. N'en faites pas trop, maman. Vous allez bien? Ça va, Preston. Arrêtez de vous inquiéter pour rien. Messieurs, dames, ravi d'avoir pu aider. Impressionnant. Alors attends, du coup par contre, option, affichage, il faut vraiment que je trouve le moyen de faire une couleur verte avec le Pip-Boy. Ok, ça c'est le vert Fallout.
Je suis... Voilà, c'est quand même lisible. Content que vous soyez de notre côté. Et ça fait de la bonne lumière. Très bien. Ok, très bien. Donc je parle à cet abruti. C'est cool. Sauf que je l'ignore. Et je vais mettre le chapeau. Voilà, chapeau de la milice. Oh, 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 il me plaît. Oh, il est beau. Oh, le beau. Par contre, ça fait chier cette espèce de... Vous avez de... entendu ce que je viens de dire? Mais et, si tu niquais bien ta mère, hein? Bon, très bien. Je suis de mon côté, Garvey. C'est le seul qui m'importe. C'est bien dommage. On n'a jamais assez d'amis dans le corps. Écoutez, quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit qu'on avait une dette envers vous parce que vous nous aviez aidés. C'est vrai. Alors tenez, vous l'avez bien mérité. Ce n'est pas un coffre plein d'émeraudes, mais j'espère que ça suffira. Tout est bon à prendre. Voilà une belle réaction de mercenaire. Enfin, si ça vous intéresse de vous battre un jour pour autre chose que votre propre intérêt, n'hésitez pas à nous rejoindre à Sanctuary. Quelqu'un comme vous me serait très utile. On a toujours besoin de gens efficaces. Ouais, et si toi ça t'intéresse toujours de continuer à pas te battre pour ton propre intérêt, présente-moi ta femme. Hein? Espèce de tantouse. Alors, du coup... Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Conservez bien cette force qui est en vous. Vous ne devez pas fléchir. Jamais. Car votre destinée ne s'arrêtera pas là. Je l'ai vu. Le trou dans votre cœur. Épargnez-moi ces inepties sur la destinée. Vous venez d'affronter un lézard irradié de 6 mètres de haut, et vous voudriez me faire croire que vous êtes incapable de la moindre ouverture d'esprit. C'est bon, Preston. Tout le monde n'est pas capable de comprendre la vision. Mais je ne vous demande pas d'y croire. Juste de m'écouter. Vous êtes un homme hors du temps. Vous n'avez plus d'espoir, mais tout n'est pas encore perdu. Je sens l'énergie de votre fils. Il est toujours vivant. Au bout de 210 ans. Mais ouais. Ah, quoique. Quoique, on a vu que le fils et la gonzesse se sont fait kidnapper, mais... Mais c'est toujours un bébé, du coup. Vos réactions sont un peu lentes, dites donc. Vous n'auriez pas pris un petit quelque chose, vous aussi. Alors ça, c'est très très chiant, ça. N'importe quoi. Vous vous foutez de moi. Non, pas du tout. La vision est parfois embrumée, mais elle ne ment jamais. Votre fils est là, quelque part. Et je n'ai pas besoin de la vision... pour vous dire où vous devriez commencer à chercher. Le beau diamant vert du Commonwealth. Diamond City. La plus grande ville à la ronde. C'est... très vague. Écoutez, je suis fatiguée. Si vous m'apportez des drogues plus tard, peut-être que la vision me donnera... une idée plus claire de la chose. Ah bah bien sûr. On en a déjà parlé, Mama Murphy. Ces saloperies finiront par vous tuer. Oh, ça suffit, Preston. Il faut bien mourir un jour, de toute façon. On a besoin de la vision. Bon, grâce à notre camarade, on va... Merde, où ils sont? C'est fou, ça. C'est fou, c'est fou, hein. On en a déjà parlé, Maman Murphy. C'est saloperie. Waouh, 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 waouh. Mais elle en a de la vie, elle. Preston. Ah, c'est parce que j'ai pas d'armes. Très bien, très bien. Ou bien mourir un jour, de toute façon.
On a besoin de... Que Mama Murphy connaît. Sanctuary. L'endroit qu'elle connaît. Vous voulez dire qu'elle l'a vue quand elle était complètement défoncée, oui. Et maintenant, vous voulez qu'on recommence à tourner en rond sans savoir où on va juste parce que Mama Murphy l'a vue. Merde, où ils sont? Quand même. Mais... Elle est intuable. Elle est en scénarium. Elle est en scénarium, t'es sérieux? On en a déjà parlé. Elle est en scénarium, putain. Non. On en a déjà parlé, Mama Murphy. Ces saloperies finiront par vous tuer. Oh, ça suffit, Preston. Il faut bien mourir un jour, de toute façon. On a besoin de la vision. Et notre nouvel ami aussi. Salut. On ne peut pas s'arrêter. En route. Sanctuary nous attend. Bon, Sanctuary. Monsieur. Grâce à notre camarade, on va pouvoir reprendre la route. On va aller à l'endroit que Mama Murphy connaît. Sanctuary. Ce n'est pas très loin. L'endroit qu'elle connaît? Vous voulez dire qu'elle l'a vue quand elle était complètement défoncée, oui? Et maintenant, vous voulez qu'on recommence à tourner en rond sans savoir où on va juste parce que Mama Murphy l'a vue? De toute façon, ça ne peut pas être pire que... Pas la peine de s'énerver. On est tous dans le même bateau, pas vrai? Non. Alors, Marcy, vous avez une meilleure idée sur ce qu'il faudrait faire maintenant? Quelqu'un d'autre? Dans ce cas, adjugé pour Sanctuary. Espérons juste que ce sera véritablement un sanctuaire pour nous. Bien, June, il est temps d'y aller. Oh, d'accord. Hey. Des clopes. On vous doit une fière chandelle. C'est à Diamond City que vous trouverez l'aide dont vous avez besoin. Du calme, du calme. Bah tu me laisses sortir ? Allez ! C'est pas vrai ça ? Non mais j'hallucine, les PNJ qui squattent la porte quoi ! Note à soi-même, tentez d'abattre la vieille dès que possible. Merci d'être kill. N'oubliez pas le prix qu'on a payé pour arriver jusqu'ici. Allons-y, je vais passer devant. Restez près de moi. Le prix qu'on a payé pour arriver jusqu'ici. Le prix que les autres ont payé, ouais. À cause de ton incompétence. Pas de ma faute si t'es un minable. Toujours pas à croire que vous avez buté ce machin. Oh là là. Hey, pas, venez ici. Ici. Allez là-bas. Un tournevis. Un manteau, des choses en plastoc. Des ampoules. Des fusibles. Voilà qui est très intéressant. Il y a un étage. Oui. Très bien. Du psycho. Et une chute vers une mort certaine, très bien. Apparemment, le chien a eu la bonne idée.
Centre civique de Concorde. Ouvrir. Allons-y. Oui, parce que je vais pas les suivre, hein. C'est pas mes amis, hein. C'est pas mes amis, les attardés. Alors, du coup... Non, j'aurais jamais dû faire ça. Bien sûr. C'est pas ce que je voulais faire, mais bon, je vais pas me plaindre. Boîte... High noon. Un peu gouttière. Est-ce que je chope des radiations aller dans la flotte? Non, hein, ça va. Tout va bien. De plutonium municipal. Comment est-ce que ça marche? Un fangeux à carapace molle, un bramine, des cartouches et un fusil. Ok, je reste dubitatif, un cendrier sale, les plaques d'identification... Une clé à molette, un bureau, contemplatif, spéculatif, circonspect. Ça mène à un truc, et oui, canigou. Un trou. Et une surface, d'accord, bah ok. Ok, très bien. Municipal Plutonium Well, mais je le... Très bien, très bien. Et là... Et là, c'est le machin du Commonwealth? Non, c'est pas ça. Maison de correction. Très bien, très bien. Un miroir sale, des briques, Commonwealth, ça permet de sortir ça, un balai et un seau en métal, une table de travail, rien parce que Canigou fouille mais ne me donne rien. Des étages qui mènent à des trous et absolument que pouic. Là, il y a des choses, mais... Un hochet. Triste. Des munitions. Voilà. Psycho et une carotte. Une carotte qui a 200 ans. Ceci m'a l'air circonspect. Pousse-toi le chien. Très bien, encore des étages. Deux gars morts en train de se battre. Mais s'il vous plaît...
barrez-vous. Non, ok, je peux pas les pousser. Très bien, des plantes, des livres brûlés, des manuels brûlés. Un bureau avec rien dessus, une lampe sans abat-jour. Et un coffre-fort. Impossible de crocheter ça. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Alors. Puf. Farfouilleur, plus de munitions dans les contenants, non merci. Où est le crochetage? Ça doit être dans agilité, vu qu'agilité c'est l'équivalent du ninja. Marchand de sable. Non, c'est pas là. En quoi c'est ça? Ça c'est le pirate. Permettre de pirater les niveaux avancés. Ça, ce serait très bien ça, mais moi je voudrais le crochetage. Où se trouve le crochetage? Il est où le crochetage? Moi j'ai mon chat qui a planté, excusez-moi. Le chat il a planté, je le reboot. Le crochetage, il est pas en force quand même, non? Non, il est pas en force. Forgeron, non. Armurier, non. Force de frappe, non. Ah là, pickpot, non, ça c'est pickpocket. Perception donc. Ah là, voilà le crochetage. Serrurier, très bien, il est là. Je confirme. Suivant. Très bien. Et pirate. Algorithme précis. Blablabla. Très bien. Je l'ai. Joli. Impeccable. Argent, arme de fortune, costume, calibre, tout ça. Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'il y a, chien? Y a rien du tout? Non, y a rien du tout. Très bien. Et ça ouvre sur le Commonwealth. Très bien. Point. Pas vrai ça, c'est quoi ces créatures à la con? Enfin bon, montons et allons explorer les deux maisons qui se situent en haut de la colline. Personne. Je peux fouiller les voitures? Oh là là, elles sont tellement classe en plus ces bagnoles. Les bons, c'est des voitures qui sont monospace, donc je trouve ça très con, mais c'est tellement stylé. Boarded up.
Oh, quel dommage que toutes les maisons soient bordées, quoi. Enfin, qu'elles soient planchées. Qu'elles soient fermées comme ça, parce que... Les fruits mutants sauvages. Un brahmin avec... un pillard mort et de la chair de rat de cafard, ainsi qu'une boîte à munitions et un couteau de combat. Voilà qui est intéressant, cependant. On est bien. Personne. Très bien. Eh bien, écoute, progressons. Revenons sur la route et retournons au Red Diner. Au Red Rocket Diner. J'ai pas eu le temps de l'explorer, lui, la dernière fois. Une pompe à gaz. Oui, je m'étais juste fait attaquer par un râteau et j'avais pas eu le temps d'y jeter un œil. Du crâne. Une de l'eau, mais sans doute périmée. Un frigo vide. La caisse enregistreuse, je l'ai vidée. Une radio CB que je viens d'éteindre. Une boîte de conserve. Un balai. Terminal de Red Rocket, mais j'ai déjà ouvert. Ah! Vous pouvez maintenant utiliser cet atelier. Trouvez une armure artistique pour pouvoir utiliser ce poste de modification. Très bien ça. Oh, mais qu'est-ce que... Non, je veux pas. Je sais pas ce que je fais de toute façon. De merde. Ok, très bien. Donc, je ne comprends absolument rien de ce que je suis en train de faire. Alors, ça permet de faire des armes. J'ai compris. Oui, je souhaite quitter cette station de relais. Avec un temps d'attente incroyable, Todd, il faut que tu meurs maintenant. Alors, atelier. Qu'ai-je fait ?
nos partenaires. Choice Jobs aimerait vous faire passer un message, chers auditeurs. Ils ont... To the affirmative, don't mess with Mr. In Between. No, don't mess with Mr. In Between. J'ai pas de béton, très bien. Ok, ok. Je comprends comment ça fonctionne à peu près. Je kinda saisi. Cependant, j'ai besoin de plus d'informations. Primo, est-ce que si je prends par exemple ce ventilateur et que je le mets dans l'atelier, bien, ensuite, ça j'ai. Voilà, mes munitions, c'est cool. Ok, ok, ok. Appuie sur X pour voir les compos qu'il donne. Le recyclage ne se fait pas automatiquement quand tu veux faire une construction, Bob. Aïe. Verre et cuivre. Merde. Alors comment je fais pour le... Merde, non, je l'ai pris. Quand je fais pour le détruire du coup, acier, huile, bois, c'est cool mais... Par contre Bob, les caboules si tu veux... À tout transférer dans l'atelier, tu risques de détruire les objets, armes que tu aurais voulu garder en construisant. D'accord, Malébolgia, je te remercie de préciser ça. Important par contre, si je le transfère pas dans cet atelier-là, mais dans l'atelier d'armes, est-ce que ça compte? Est-ce que c'est différent? Est-ce que ça risque pas de... Thank you.
Non, les armes ne se recyclent pas auto. Et le bric-à-brac se recycle automatiquement. J'ai plus instinct de faire confiance à Tatsu et à Duhanner. Et du coup, je vais mettre ça... Ah ben non, mais c'est la même chose. Non, c'est la même chose, chers amis, regardez. Comme quoi, j'ai pas rêvé. Bon, bah c'est pas grave. Canon courte. Oh, le super bas. Ah, intéressant. Canon lourd allongé, canon court allongé, canon court, canon court. Canon court à fixation, canon lourd allongé, canon lourd à fixation. Crosse courte, crosse complète. Et viseur standard. Une lunette courte, intéressant, intéressant ça par contre. Je vais la mettre. Donc j'ai un fusil qui sert à peu près de fusil sniper. Un pistolet et un fusil à pépon. Très bien ça. Et un cran d'arrêt pour le corps à corps si je veux ouvrir des gorges. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Il suffit juste que je les règle en raccourci. Je vais finir par apprendre les automatismes, hein, chers amis. Hein. Je vous prie de... Attends, du coup. En direct du bijou vert, je veux dire le grand vert, le beau diamant du Commonwealth, voilà. Vous écoutez Radio Diamond City. Eh ben putain, ils ont baissé de qualité les présentateurs depuis que j'étais parti, c'est chaud. Ça a l'air honnêtement précis. Par contre, c'est tellement débile comme arme. 4, 5, 6. Très bien. Et j'ai 3. Je vois pas les 3 bouches du canon. Elles y sont là, les 3 bouches du canon? Parce que j'ai mis 3 bouches sur le canon, si. Examiner. Ah! Oh! D'accord, j'avais pas vu qu'elle était en dessous! Oh, ça, c'est qualitatif. Oh, ça me plaît, ça. Ça me plaît, ça. Ça, c'est bon, ça. Oublie pas les raccourcis au-dessus du clavier. Oui, oui, je vais essayer de les régler. Je vais essayer de les régler bien, vous avez raison. Vous avez raison. Faisons ça maintenant, comme ça, au moins. Alors, pistolet, j'aime bien l'idée de 4. En fait, non. J'aime bien l'idée de 2 pour le pistolet. Fusil, j'aime bien l'idée de 3. Et les mousquets laser, j'aime bien l'idée de 4. Voilà. Je garde toujours le 1. Je garde toujours le 1 pour le Zawerdo. Parce que, avons-le, c'est quand même qualitatif. Et enfin, lui, on va le mettre à 5. Voilà. Faudra que je tente un assassinat avec ça.
Un petit assassinat à l'ancienne. Et ensuite, il va falloir que je m'équipe mieux que ça, parce que là, mon armure pue un peu de la boule. Est-ce qu'il y a des établis d'armure? Ça doit exister, non? À part celui-là, mais qui est une établie d'armure assistée. Coffre à outils, atelier, ça c'est pour créer les objets, tout ça. D'ailleurs, si je me mets en mode casque transparente, tout est bougeable en fait. Oh! Et tu peux purifier l'endroit. Tu peux nettoyer l'endroit, je comprends mieux. D'accord, mais ça prend du temps d'appuyer sur, sur entrée à chaque fois. Il n'y a pas un bouton plus rapide? Si, c'est bon, très bien. Très bien, très bien, très bien. D'accord, je comprends mieux. Allez, je peux tout recycler, ok. Je peux tout absorber dans cette zone, ok, très bien. Je comprends mieux. Je comprends mieux, je comprends mieux. Oula, oula. Tu me diras, on y verra plus clair. Atelier de chimie, ah! Très bien. Ok, c'est vachement instinctif. D'accord, je comprends. Ah, c'est bien foutu. Bon, par contre... Voilà. Voilà, t'as arrêté de faire chier. Établi d'armes, radio. Wow, mais il me casse les couilles ce chien! Bon, pas de panique, pas de panique, pas de panique. Un frigo, je le convertis, ça sert à rien de toute façon. Magazine de société brûlé. Très bien, inventaire, bras droit de pillard, bras gauche de pillard, brassard droit en cuir, brassard gauche en cuir. Il faut que je m'y fasse encore. Non, mes armures. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Question de temps.
où sont mes armures. Mes armures sont nulle part. Formidable. Et eux, je peux pas les démonter aussi? Un onglet pour les armures, Bob. Bric-à-brac, mode, atelier, armes, soins. Bric-à-brac, mode, atelier, armes, soins. Je suis fou ou j'ai pas d'onglet armure en fait. Mes tenues. Ah, j'ai pas posé les tenues, j'ai tout sur moi encore. C'est donc ça. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, c'est plutôt une rumeur, disons. Non, nique ta mère. Allez. Très bien. Puff. Jambière et poche de cuir. Jambière droite. Très bien, il me faut les avant-bras maintenant. Tenue de nomade. Ok, ça c'est valide. Ok. Mais je peux le porter lui. Ok, je vois. Mais je peux pas porter la tenue. Non, bien sûr. Ok, c'est assez stylé, je l'accorde. J'irais même plus, c'est très stylé avec les balles, mais malheureusement, la tenue nomade est une tenue intégrale. D'accord, c'est ça. Et si je vais sur la tenue 111, qu'est-ce que ça dit? Ah, ça brille pas, d'accord. Donc ça veut dire que c'est vraiment un truc en plus, ouais, comme les sous-vêtements longs. Ouais, très bien, j'ai compris. Ce slip. Et plastron de pillard, fais voir arriver. Oula. Tout ceci m'a l'air légèrement excessif, si je puis me permettre. Je préfère la tenue de nomade. Très sincèrement, it's high noon. Voilà, on est bien. On est bien. Non, je me suis trompé. Encore une fois, je voulais appuyer... Ah! Non, j'ai appuyé sur R, mais il a dégainé plutôt que de me mettre le transfert. Ouh, ça va me saouler! C'est brave, recycler. Viseur lumineur et AC5, oui. Viseur recycle, oui. Annule. Modifie. Est-ce que du coup je peux modifier des choses? Je peux pas ne pas avoir de musique. Ah, me rend fou. Ok, on va ranger une alliance. Allez.
Voilà. Ok. Bon. Alors, est-ce que... Merde, est-ce que du coup j'ai toujours la cellule à fusion avec moi? Tu vois, ça c'est le doute. Ça c'est le doute. Réacteur à fusion, je l'ai, super. Très bien. Alors, la carte. La carte. Non. Voilà. Armure assistée, c'est bien. Je récupère l'armure assistée. Très bien. Si tu veux t'installer ici, il faudra aller chercher tout le matos que t'as laissé à Sanctuary. Bah, j'ai rien laissé à Sanctuary, je suis pas encore allé à Sanctuary. Les munitions n'ont pas de poids, excellent. Excellent. Bien. Nous revoici en face du truc. Où est mon armure? L'armure est là. Non, c'est quoi ça là-bas? Pas d'ennemis. High Noon. Non, c'est pas High Noon. Très bien. Il y a une église juste à côté. Je vais juste y jeter un œil. Ouais. Classique. Excusez-moi, mon père. Ah 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 ah. Manuel brûlé, je prends une Bible. Il n'y a pas de stock. Arme de fortune, cocktail Molotov. Quand même. Oh, un coffre-fort à déverrouiller en mode expert. Le verrou tient bon. Le mec est sérieux quand même. Il est servi avec son église. Très bien, très bien. On monte à l'étage. Et me voici sur le clocher. Oula, attention. Bon. Il n'y avait donc rien du tout. Très bien. Eh ben, écoute, c'est bon à savoir. Mettons la pile. Voilà, très bien. Avec le chapeau, on y va. Hop là. C'est pas buggé. Après tout, ça marche, n'est-ce pas, Todd? Putain. On va jusqu'au Red Road Rocket, là. On se prend de la petite canette. Ouh, la qualité. On est installé. Ok. Pom 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 pom. Très bien. D'accord. D'accord, donc on peut booster. Ok, ok, ok. Réparer le plastron, non. Quitter la station, oui. Très bien. Transfert. Mes armes, blablabla. De toute façon, c'est les mêmes, oui, donc il n'y a pas de souci. Cocktail Molotov.
Armes de fortune, fusil, mes tenues, blablabla, T-45, les brassards et les objets à la con, très bien. Très bien, très bien, très bien. Ok, ça commence à rentrer. Je commence à comprendre comment ça fonctionne. Très bien. Non, mais rentre pas dedans, espèce de mongolien! Ah bah bravo! Ah bah c'est malin, t'as l'air malin! Ah putain, il a l'air malin, tiens. It just works! Très bien, ok. C'était cool. Il faut que je l'ai dans mon inventaire. Ça puise pas directement dans l'atelier que je viens de poser là. Pardon, je vais la refaire avec un accent assis. Il faut que je le prenne dans mon inventaire. Ça puise pas dans l'atelier. J'ai mis juste de le poser là, dis donc. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Non mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est juste inacceptable. Inacceptable. Moi je dis non. Là dis donc, moi je dis non. J'ai dit non. Là. Il n'avait pas été réparé. Eh ben, répare-le, enculé. Voilà. Voilà, très bien. Mais je suis là. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que je peux fabriquer? Eau purifiée, gnôle, amidon végétal, rôti. Téléphone ça? Très bien, bon. Et juste en face de nous, il y a la ville. Ok, d'accord, bon. Très bien. Ok, très bien. Donc, l'appel à la liberté. Rejoignez Preston Garvey à Sanctuary. Et bah, rejoignons l'autre débile à Sanctuary, alors, si ça peut lui faire plaisir. France a gagné, d'accord. Ça explique les klaxons que j'entends. Ouais. Ah ouais, c'est ça, Sanctuary. Gars, ils ont eu 200 ans pour s'en remettre, hein. Pas capable d'aligner deux poutres bourrées les unes. Oh putain, vous êtes pas sérieux. Nettoyez au moins, nettoyez. Allez, voilà. Ok, donc Sanctuary, c'est ma ville. Très bien, c'était là où j'habitais. Il n'y a pas de problème.
Des gens qui vivent là ? Apparemment, il y a des gens qui vivent là. Intéressant. Il n'aurait jamais venu à l'idée de ranger ces mecs. Hein. 200 ans. Hein. 200 ans. Ouais, je te vois enculé. Et je t'ignore. Alors, quelle était ma baraque ? Ok, il est là, lui. C'était laquelle ? Est-ce que c'était celle-là ? Non, c'est pas celle-là. D'accord, ils construisent. D'accord, quand même. Au moins, ils ont le mérite d'être honnêtes. Je crois que c'était celle-là, ma baraque. Ouais, je la reconnais. C'est chez moi. Très bien. Il me semblait que mon voisin avait un abri nucléaire dans le jardin. Il avait pas ça ? Et pas un bunker, ce vieil enfoiré ? Ah, un bon vieux bunker des familles. Un abri anti-nucléaire. Motherload. Oh là 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 là, c'est la richesse. Personne n'a pensé à... Et donc les mecs, ils habitent là. Et ils ont pas... Lingots d'or, ma zette. Non. There you go. Génial. Une fourchette en argent, eh bé. Un plateau télé, des armes, des conserves. On voit bien qu'ils ont bien tenté de survivre pendant un temps, mais ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas de cadavres. Le câblage aussi. Enfin. Profitons-en. Très bien. Mais c'est ambiance. C'est quoi, ça rend même presque le fait de lui parler supportable. Au moins c'est ambiancé. C'est un plaisir de vous revoir. J'espérais bien vous voir passer. J'aurais dû écouter Mama Murphy dès le début. C'est un bel endroit. Je pense qu'on pourrait s'installer ici, en faire notre maison. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ça me plaisait de vivre ici, avant la guerre. Comment ça ? Avant quelle guerre ? Vous voulez dire que... J'ai vécu ici, il y a plus de 200 ans. Je me suis fait... cryogénisé, je crois. J'ai repris connaissance il n'y a pas longtemps. Merde. Comme une vieille goule d'avant la guerre. Est-ce qu'il y avait d'autres gens qui étaient cryogénisés avec vous ? Je n'ai pas envie d'en parler. Pas de problème. Chacun a son histoire. Si vous préférez garder ça pour vous, je n'insisterai pas. Enfin, content que vous soyez là. Et j'espère que ça ne vous dérange pas, mais j'ai un autre service à vous demander. J'ai été contacté par une colonie qui a besoin d'aide. Ces gens espèrent toujours qu'il reste des miliciens. Eh ben vas-y. Notre seule chance de reformer les miliciens, c'est de montrer aux gens qu'ils peuvent compter sur nous quand ils en ont besoin. Eh ben vas-y. Le problème, c'est que j'ai beaucoup à faire ici. Quoi ? Ça vous dérangerait de vous occuper de cette colonie ?
Ah, super. J'attendais justement l'occasion d'aller sauver d'autres gens sans défense. Ce n'est pas qu'ils sont sans défense. Ils ont juste besoin qu'on leur donne un coup de main de temps en temps. C'est censé être ça, le rôle des miliciens. Au fait, si vous voulez nous donner un coup de main ici, adressez-vous à Sturges. Je suis sûr qu'il serait content d'avoir un peu d'aide. Salut. Restez en alerte. Ne baissez pas. J'ai l'air d'avoir envie de parler. Vous voulez participer au travail ? J'adore le travail. Je peux regarder quelqu'un travailler pendant des heures. Déjà, ça nous ferait pas de mal d'avoir de vrais lits. Ça fait trop longtemps qu'on dort par terre. Pourquoi vous avez besoin de moi pour fabriquer des lits ? Écoutez, on est en suite depuis des semaines. Et on a du pain sur la planche. Il nous faut de l'eau, de la nourriture, un toit, et j'en passe. Vous avez demandé ce que vous pouviez faire ? Je vous ai répondu. Vous avez changé d'avis ? Non, non. Là, par contre, tel que tu l'expliques, ça me paraît cohérent. Non, honnêtement, il est en cavale, il a pas eu le temps, et ils sont en train de bosser sur d'autres trucs. Donc, ok, ça me paraît... Je me ferai un plaisir de vous aider. Parfait. Merci bien. Pour l'instant, bon. Le principal, c'est qu'on ait un toit au-dessus de nos têtes. Certaines de ces vieilles maisons ont encore l'air solides. Il y a un établi là-bas dont vous pouvez vous servir. Faites-moi signe s'il vous faut quelque chose. Ça fuit. Tu vas t'en servir ? Oh, ça c'est cool ! Ça c'est cool ! Ok, très bien. Bon, c'est un début, hein. C'est un début, hey, c'est un début. Vous avez... Après. Quoi ? Mais j'ai pas choisi d'en mettre un. C'est quoi ce toit en merde ? C'est quoi ce toit en bouse le plus absolu ? Mais qu'est-ce que... Hein ? Hein ? Bon.
Ouh, je sens que ce jeu, il est fait pour être joué à la manette quand même. Ok. Ah, un truc qui m'a l'air à peu près construit correctement. Non, spoiler, c'est de la merde. Très bien. Putain, quand ça a l'air bien construit, c'est de la grosse chiasse. Impressionnant. Je sais que je ne suis pas le seul à avoir perdu quelqu'un, mais il me manque tellement. Prudence. Là. Sanctuary. Je savais que vous me rejoindriez ici. Arrête! Arrête de me parler, la vieille! Oh! Oh! Ok. Ok. Très bien, là on y arrive. Ok. Ok, ça ok. Ok. Ok, ça aussi. Ok, je vais faire une astuce que j'ai vue hein, sur le net. Je crois que c'est dans décoration, le tapis, l'astuce du tapis. Voilà, voilà. Et maintenant, sur ce tapis, sur ce tapis. J'y mets l'objet de mes désirs. Voilà. Maintenant, en déplaçant ce tapis. Voilà, je peux le mettre où je veux le machin. Ok, ça c'est cool. Ça c'est cool. Au moins, ça arrête de me faire chier. Alors, du coup, voyons voir comment ça pénètre. Ah.
Et ça, vrai. On le recycle et du coup, vrai. Il est bien. Il est bien. Ok. C'est quoi ces chaises? Ok, j'avoue que par contre, côté sélection, côté sélection, j'avoue, ça a le mérite d'être honnête. Quand même. Quand même, quand même. Ça a été la difficulté pour en trouver un, quand même. Pour trouver deux tabourets. C'était la vie, hein, les enfants. Ok, très bien. Ensuite, des lits. Il nous demandait des lits. Ça, c'est une salle de bain. Ça, c'est un bureau, mais ça pourrait faire office de chambre. Ça, c'est une cuisine. Descendre de quelques étages, merci. Bah, je peux faire des trucs du futur quand même. Vieux matelas pourri. Voilà, 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 des lits, là on veut des lits, gna gna, on veut des lits, gna gna, on a sommeil, gna gna gna. Attends, donnez-moi des lits. Tiens, de toute façon, j'ai jamais aimé mon voisin. Merci. Voilà, va dormir chez lui. Oh, bravo. J'espère que vous avez réussi à trouver de l'aide à Concorde. Ah, comment ça s'est passé en mon absence? Oh, je continue à m'occuper du jardin. Il y a parfois des parasites à éliminer. Et vous, monsieur? Avez-vous découvert quoi que ce soit à Concorde? Non, rien d'utile. Je craignais que cela ne s'avère compliqué. Je ne suis pas un Mr. Gutsy, j'en suis conscient. Mais je serais honoré d'arpenter le Commonwealth à vos côtés si vous avez besoin de moi. C'est ce que tu veux? Comme vous le souhaitez, monsieur. Non, pas maintenant. Très bien. Reste là. Ah! On peut... Ah d'accord, on peut maintenir V. Ok, ça j'avoue. Ça j'avoue, c'est une bonne chose. Et ça, je peux pas le virer, ça? Non, apparemment non. Très bien. Est-ce que lorsqu'on recycle quelque chose, on le recycle pour 100% de sa valeur? C'est une vraie question que je pose. Parce que j'ai l'impression de détruire des objets que je devrais pas.
Ouais, carrément. Ah ouais. Eh bien non. Cet endroit restera en ruine, pour la peine. Ça, par contre, c'est terriblement moche. Voilà. Pareil pour ces arbres et ces trucs. Très bien. Je veux juste échanger quelques trucs. Il vend des choses, très bien. Il vend des munitions. Ok. Ben, formidable. Quelque chose. Je veux juste échanger quelques trucs. D'accord, non, en fait, c'est les armes que je leur donne avec les munitions qui vont avec. Il leur faut des munitions. C'est le point 38, c'est ça, hein. Marcy peut sembler froide, mais ne le prenez pas personnel. C'est sa manière de gérer la mort de Kai. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, mais je m'en balse boube. Mais avec la puissance de 8000 soleils. Il est où? Il est où Elvis Presley? Oh putain. Oh putain. Au moins il ne pleut pas. Oui? Non, non, Preston, non, pas aujourd'hui, Preston. Pas aujourd'hui, mon ami. Prudence. Je peux pas caresser le chien? Comment ça va, mon vieux? Alors, mon grand, tu penses pouvoir trouver quelque chose pour moi? Va voir s'il y a quelque chose d'intéressant dans le coin, mon grand. Oh, il n'a rien trouvé, je lui en veux pas. Bon. Construisez des limites, ils en ont pas assez, là. J'imagine qu'ils peuvent occuper celui de ma maison, oh well. Très bien, allons-y. Voilà. Oh, ma chaîne Ifi. Frigo. Ils sont tout foutus en l'air, les salopios. Oh well. Oh, la chaise. Ils ont réussi à péter une chaise. Comment tu fais pour péter une chaise? Quel degré d'attardisme. Eh bien, ce que je pensais. J'imagine que les objets jaunes sont des objets qui sont irrécupérables, en fait. Dans le sens où c'est des objets qui servent à rien de garder, puisqu'ils sont détruits. D'accord, rangement. Ammo box, armoire, des boîtes en métal, des caisses. Très bien, très bien. Il n'y a pas moyen de se cadrer par rapport au... Tu sais, de se mettre droit, en fait. Ou c'est à la jaugette. Ou c'est à la jaugette et il faut jauger. J'ai fait clic gauche pour le mettre.
J'ai l'air d'être à la jaugette. Hein. Ça a l'air d'être à la jaugette. Merci Nikos, merci infiniment. Est-ce qu'il y a assez de lits du coup ou est-ce qu'ils en veulent encore un peu? Construisez des lits, mais... Est-ce qu'ils veulent des lits ici en fait? On pourrait disposer des lits dans une de ces maisons. Mais... Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Mais chaque jour qui passe est plus facile que la veille. On va leur donner ce qu'ils veulent, hein. On va leur demander, enfin on va leur donner ce qu'ils demandent. On va mettre un deuxième lit là. C'est bon là? C'est bon, il y a assez de lits pour tout le monde? Êtes sûr? Êtes sûr de vous? Quelque chose vous lie à cet endroit. J'ai vécu ici. Il y a bien longtemps. Ah, sauf que le passé lointain ne l'est pas tant que ça pour vous. J'ai vu le moment où vous avez quitté votre glacière. Pour la vision peut vous aider. Non, vous êtes une toxico. Vous avez besoin d'aide. Oh, ça ne va pas recommencer. Écoutez, je suis vieille. Bien plus que vous ne croyez. Si ces drogues venaient à me tuer, ce n'est pas comme si je n'avais pas fait mon temps. J'ai au moins deux fois ton âge, connasse. Sans la vision. Ok. J'ai dit non. Vous allez arrêter ces saloperies tout de suite, ou vous aurez affaire à moi. Ce n'est pas en me menaçant que vous me ferez changer d'avis. Le sujet est clos, c'est bien compris? Eh bien. Ok. Quand tu veux créer des choses dans l'atelier, il suffit d'appuyer sur E enfoncé pour déplacer l'endroit de création des objets sans utiliser ZQSD. Essayons. Supposons que là, je souhaite créer une table. Si je laisse appuyer sur... Oh, oui. D'accord, je vois. Je vois. D'accord, ça, par contre, ça m'aide beaucoup. Je te remercie, Kyunshin. Très bien. Ok, c'est très bon à savoir. Je peux pas déplacer ça. 25 km/h, ouais. Virer cet érable. On va laisser l'arbre quand même. Station, établi d'armes, établi d'armure. Très bien. Des cages, je sais pas à quoi ça sert. Look up failed. Des cages. Ça a l'air d'être une pointe, ça. Des bâtons à pointe à barbeler. Une tente. Ah, intéressant, ça, par contre. D'accord, des tentes de canne survivants, intéressant. Très bien, cache, fabrication, magasin, ressources, défendre, électricité. Générateur, ok, je n'ai pas de cuivre. Interrupteur, fabrication et chapiteau. D'accord, très bien. Décoration, affichage, râtelier d'armes, vitrerie, armure assistée. Atelier d'armes, revêtement de sol, décoration de murs divers, mobilier, structure et spécial. Il y a quoi dans spécial? Keep heavy fog out of the room, it's within. Ok. D'accord, ça vire le. Ok, très bien. Note à soi. Je vais essayer de me rendre utile. P-
Personne n'a envie de voir un type s'apitoyer sur son sort. Très bien. Très bien, très bien. Est-ce que je peux aller voir Johnny Hallyday ? Parler à Sturge. 16 mètres d'air, moi. Ah, il est dans le jardin. Ça a l'air de bien pousser. Ça me plaît bien. Avoir un endroit où dormir, c'est bon pour le moral. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est une source d'eau propre. Entendu. Je m'en occupe. Ce ne sera pas long. Parfait. Encore merci. Attendez, je vais arrêter immédiatement ce que je fais pour vous parler. Ou pas. Fichez-moi la paix. Très bien. Ok. Une source d'eau propre. Une source d'eau propre ou une source d'eau propre. Ça doit être une ressource. Oups. Et une source d'eau propre. Oh. Il me faut du cuivre. Très bien. Il n'y a rien que je déteste autant que ces enfoirés de pillards. Si vous tombez sur eux, tuez-en quelques-uns pour moi. Oh, mais tu serais pas en train de me demander un service alors que tu me parlais mal il n'y a pas quelques secondes ? Hein, sale pute ? Super. Eh ben écoute, tant qu'à faire. Hors de mon chemin. Hors de mon chemin ! De l'acier. De l'acier. De l'acier. Alors quoi, où est-ce qu'on peut trouver du cuivre ? Peut-être en recyclant un appareil électroménager comme ceci. Acier et bois, non. Et ça, c'est un coffret. Comme ça, on peut le virer. Bibliothèque. Qu'est-ce qui peut nous donner du cuivre ? Sans doute un gros arbre, ça. Recyclable ? Non, il ne l'est pas. Trop emblématique, j'imagine. Ça. Acier, caoutchouc, fusible, ampoule cassée. Aïe. Ce n'est pas ce que je recherche. Recycler des maisons entières. Bah oui, mais je souhaite pas les recycler, elles font joli. Enfin, c'est moche, mais voilà, l'endroit est censé rester moche. Si c'est ici que je vais mettre tous les colons attardés que j'ai pas l'intention de me faire chier avec, j'ai bien l'intention qu'ils restent là, ces enfoirés. Et pour que ces chiens connaissent leur place, faut bien que j'en ai une. Cette palissade, elle est baisée. Elle est baisée, voilà, très bien. De toute façon, cette palissade, elle est baisée. Elle est baisée, elle est baisée. Et cet arbre, il est mort. Donc voilà. Du cuivre. Maisons en cuivre, les ont détruites, il faut les recycler, elles sont inutilisables. J'ai compris qu'elles étaient inutilisables. C'est juste que j'ai l'intention de les laisser. Ouais, je pourrais la recycler tout ça, hein, mais non. Je vais les laisser grouiller dans leur merde. Parce que ça m'amuse. On va virer toute cette merde. Voilà, très bien. Maintenant, deuxième question, où trouve-je du cuivre ? Ça, pour moi, elle est là, la question à 5 milliards. Que de l'acier, malheureusement. Non, pas d'air ? Non. Dans les téléphones. Ah, c'est une riche idée.
serait une riche idée d'en trouver du cuivre dans les téléphones. Cuivre, il y en a dans les téléphones. Très bien. Alors, les téléphones. Soit ils sont dans les maisons, ce dont je doute. Je pense pas que j'en trouverai dans la maison à proprement parler. On sait jamais. Acier, caoutchouc. Ah, je peux pas le prendre. Ok, je fais disparaître le PC, très bien. Ah, non, c'est que de l'acier. Classeur à tiroir. Bonbonne d'oxygène. Pas de téléphone. Ils ont pas de téléphone à l'intérieur de leur maison, les types? Non, hein. C'est quand même fou. Téléphone, lampe et pot de cuisine. Fusible. C'est quand même fou. Ok, très bien. Attends, c'est peut-être quand même fou, mais on va trouver des astuces alternatives. On va aller à la base de Red Rocket. La. On va donc aller à la base de Red Rocket. Il y a des téléphones à Red Rocket. Mais ça, c'est un bon chien, ça. Comment ça va, mon vieux? Ah, laisse tomber, mon grand. Ouais. Ok. Fusible des tubes électroniques. Tu recycles, tout ira dans l'atelier ici. Ah. Dans l'atelier ici. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans l'atelier. Cuivre. Très bien, d'accord, je comprends mieux. Ok. Je comprends mieux. Est-ce qu'il existe un moyen de relier ou un mode qui relie les ateliers entre eux? Parce que sinon, on n'a pas fini, hein. Sinon, ça va être un cauchemar. Il doit y avoir une méthode in-game. C'est pas possible que même Todd Howard, il ait pas pensé à ça. Il doit y avoir une méthode. Mais ça doit être une méthode de pute. Ça doit être une méthode où genre tu dois claquer un level pour faire ça, ou un skill. Je suis sûr. Avec un talent, plus tard, tu pourras relier tes différents ateliers avec des routes commerciales. Je le savais.
Un truc aussi évident et utile que de courir. Todd Howard, il était obligé de te faire claquer un level pour l'avoir. Quel fils de pute. Bon. Stocker bric-à-brac. Au moins, je peux le construire, son purifieur d'eau. Voilà. Quel colossal fils de pute. Alors, puf. Très bien. Pompe alimentée, pompe à eau, épurateur d'eau. Épurateur d'eau industriel. À placer uniquement dans l'eau. Est-ce qu'on a de l'eau dans la zone ? Ah ah ! Oh merde. On peut pas en placer de ça? Il veut pas en placer, très bien. Il veut pas les faire les industriels? Besoin d'énergie. Ah, il faut scientifique, il me faut un rang, très bien. Générateur à éolienne. Ouais, c'est bien moche. Hein. Ok, très bien. Bon, au moins ça fonctionne. Ça coûte cher tout ça, Bob. Place sur juste un machin pour pomper l'eau. T'es sûr ? C'est bien, ça nous entraîne, tu me diras, mais enfin. Envie de leur laisser un truc à peu près propre, tu sais, un truc décent. Je sais que ça paraît absurde, mais... Voilà. Électricité, générateur... Un petit générateur juste à côté. Voilà, un petit générateur pour la pompe à bites. Un générateur qui vole, pourquoi pas, allons-y. Très bien.
Ça génère pas assez d'électricité. Ça tombe bien, ça fait un bruit absolument infernal. Pas là? Pourquoi tu peux pas? Y'a ça qui gêne? Y'a pas assez de pylônes peut-être? Voilà! Quand même! Ok. On dirait que c'est en bon état. Ça pompe? On dirait que c'est en bon état. On dirait que c'est en bon état. Ça pompe! Phew. Bon. Pas très pratique, si je le sais. Si vous voulez mon avis, on devrait repartir. J'ai pas envie d'être coincé dans... Ah, ta gueule! Je me sens déjà mieux maintenant qu'on a une source d'eau propre à disposition. J'espère que je vous en demande pas trop, mais on commence à être à court de nourriture. Si on veut s'installer ici, il va falloir mettre des cultures en place. Mais quand t'as commencé, t'as dit que tout le monde travaillait sur le projet et que moi j'avais qu'à m'occuper des lits et qu'on était bon. Pourquoi je dois faire tout ton boulot ? Je ne vois pas bien ce que vous voulez dire. Patates, fruits mutants, maïs, tout ce qui peut pousser ici. Bon. V, menu de l'atelier. Très bien. Ressources. Nourriture. Je peux planter du melon, mec. Que je peux faire, mec. C'est tout ce que je peux faire. J'aimerais échanger quelques trucs. J'arrêterai de me plaindre quand j'aurai plus de raison de me plaindre. J'ai des pastèques, tu les as embarquées, ça reste de ma faute. Comment je fais du coup pour les attribuer à... Je veux juste faire un échange. Désolé, mais je ne serai pas de très bonne compagnie. Je veux juste faire un échange. Trouvez juste un bon terrain et plantez ce que vous avez. Ça changera déjà beaucoup d'avoir des aliments frais. Du coup, on est d'accord que c'est une quête que je ne peux pas accomplir maintenant, hein. On est d'accord que j'ai pas les moyens de... Tu peux récolter les choses à côté pour les replanter, mais il y a juste... Je viens de replanter les pastèques, là, à l'instant. C'est en mode construction pour les assigner quelque part. Très bien. Ok, très bien, c'est bon à savoir, merci. On va y arriver, on va y arriver. Tiens, toi. Tiens, négro. Bosse.
Tiens toi, Makai, boss. Ils peuvent tirer leur énergie d'un connecteur proche, très bien. Plusieurs éléments de cette catégorie jusqu'à un maximum de 6. D'accord, donc pas plus de 6 patates par employé, ok. Très bien. Pas plus de 6 patates ou 6 autres choses, très bien. Conférer de nouveaux éléments, faire vus activer automatiquement en Suisse, ils n'ont pas atteint leur charge maximale. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Affecté à bouffe, affecté à bouffe. Très bien. Non affecté, ok. Tiens, toi aussi. Ok, easy boss. Ok. Toi, est-ce que tu peux bosser ? C'est d'accord. Tu peux le faire bosser aussi. Très bien. Très bien, très bien. Ça a l'air de bien pousser. D'autres melons, très bien. Courge, très bien. Très bien, très bien, très bien. Je trouve d'autres fruits. C'est cool, c'est un début. Putain, on peut faire des champs de coton ? Oh, sans déconner. Des champs de coton, ce serait goldé. Ah oh, putain. Ok. Très bien, des courges. Je peux pas les planter les unes à côté des autres, c'est un peu foireux. Ok, ça c'est cool. Des melons, du melon. Du melon de Niga. Parfait. Là, il y a du melon. Et j'ai rien d'autre. Ok. Merci, Maëlle Lendy. Qu'est-ce qui vous fait croire que je veux vous parler ? Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux m'adresser la parole ? Ah. D'accord. C'est marrant, il a deux bruits différents en fait. Il a deux bruits différents. Du scotch, un fusible, un pinceau. Alors, quelle est la touche pour attendre dans ce jeu ? Normalement, c'était T, mais avec ce jeu, Todd. Très bien. Niveau 9. Niveau 7. Ok, très bien. Nomade solitaire. 15% de gains en moins et votre charge maquillage de 50 qu'on voyageait sans compagnon intéressant. Fana d'armes. Ça, ça m'a l'air intéressant. Il y a scientifique, mais c'est dans l'intelligence, ça. Dans l'intelligence scientifique, il se trouve où ? Scientifique. Aïe. Celui-là, il faudra l'avoir. Et intelligence 6. Donc, les deux prochains points que j'ai, ils vont aller en intelligence, je sens. Homme d'action. Chaque seconde compte, les points d'action se régénèrent 25% plus rapidement. Ça, ça m'a l'air très bien. Farfouilleur, non. Chance, je peux pas. Attendez, je peux mettre le point dans. Je peux mettre le point directement dans la stat. C'est genre. Genre là, je peux gagner 2 points d'intelligence là.
Les perks sont mélangés aux stats de base. On est d'accord. Oh putain, t'es sérieux, Todd? Bah ben, je sais pas, Kyonshin, vu que c'était les trucs qui... Oh, définissent ton personnage! Je m'attendais à ce que ce soit un truc à part, genre comme dans Fallout 3, où tous les 3 niveaux, tu gagnes un point, tu vois. Tous les 3 niveaux, tu peux avoir un autre point, et tu sais, tu te dis, ah, et du coup, t'as pas l'impression que ton personnage devient overpété trop vite, tu vois. Au level 10, genre, t'as pas 12 de charisme. Aucun sens, enfin. Chances de persuasion sont plus importantes. Eh ben, écoute... Oh well. Il faut les stats de base pour la caractéristique s'y rapporte. Qu'est-ce que vous me conseilleriez du coup? J'ai envie de prendre pistolero parce que je vais jouer gun, je l'annonce. Infirmier. Début là c'est les PV Bob. Ah non non, non merci. Tout dans force ou endurance. Oh oh oh, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre. Ça m'a l'air très bien ça, les points d'action se rechargent plus vite. J'hésite du coup, j'hésite. Je mettrai pas de points en force. Nikos, j'ai pas l'intention de la jouer force quoi qu'il advienne. Le poids que vous portez, les dégâts infligés par les artames au corps à corps, inutile et inutile. Mieux c'est build intelligence charisme. Ouais, c'est ce que je pensais aussi, mais j'ai envie de la jouer agilité. Et j'ai que 4 points d'intelligence. Recycleur.
Scientifique, chimie. Attends, scientifique. Ouais, il faudra par contre. Chimie, expert en robotique, non merci. Physicien nucléaire, oula. Ça, ça m'a l'air bien, ça, par défaut. Allez, un point dedans. Homme d'action, furtivité, non merci, commando, non. Pistolero serait bien. Un tel était peinard pour les améliorations max des armures. C'est vrai, c'est vrai. Mais regarde, arme, c'est là. Armure, c'est là, donc j'ai pas besoin de ça. Par contre, c'est vrai que j'aurais besoin de deux points d'intel en plus pour pouvoir les claquer en scientifique après. Mais pour le reste, j'en ai pas besoin. Par contre, ça, je vais le prendre d'avance. Très bien. Cacher résumé. Très bien. Tableau d'aptitude. Ok. Donc comment fais-je pour dormir? T, W, C, X, B, N, H, K, L. Non. M, O. Alors pour dormir, c'est... Je peux faire charisme intel agi, c'est ce que je pense que je vais faire. Écoute, j'étais déjà partu. La force au début, Bob, t'es malheureusement obligé pour le poids. Mais non. Assis ou un lit, va au lit pour dormir. Tu peux pas attendre debout, t'es pour attendre. Non. Non, il faut automatiquement une chaise ou un lit. Ok, très bien. Bon, et ben écoute, j'ai appris quelque chose. Parce que jouer de nuit... Ah d'accord, ok, très bien. Ok, ok, parce que jouer de nuit comme ça, ça va bien, mais ça va pas. En tant que leader naturel, est-ce que t'as le droit de vie ou de mort sur Terra Bas s'ils sont chiants? J'ai quelques noms en tête. Oui, moi aussi! Étrangement. Ceci étant censé être un remplacement du stream de la propreté, chers amis. Pour ce faire, je vais quand même faire claquer une petite pub histoire de se faire de l'argent. Parce que faut pas déconner. Putain, mais. C'est la tristesse, ces palissades. C'est que ce serait avec plaisir que je les réparerais, mais c'est la tristesse ici, quoi. La tristesse. Enfin bon. Eh ben écoute. Pourquoi ça me dit d'ouvrir le menu de l'atelier Sanctuary. Faut essayer de la nourriture aux habitants de Sanctuary. Très bien. Je crois qu'on me dit hop, voilà, je fais le voyage rapide. Alors merci Kyunshin, mais fais très attention, tu marches sur la ligne du spoil, tu marches sur la ligne du spoil. Cependant, comme effectivement je veux jouer un Macri et que tu me proposes un magnum, t'as de la veine, mais tu marches sur la ligne du spoil, hein, fais très attention. Enfin. Super. Et les cadavres ne disparaissent pas au bout d'un moment? Parce que c'est un peu triste. Oula.
It's high noon. Ça touche, mon gars. Bon. Eh ben, croyez-le pas. Mais quelque part, on y arrive. Petite pub, on revient. Hop. C'est fini! À la seconde où la pub se termine, on y retourne. Parce qu'il n'y a pas de raison. Bon. J'ai vu une astuce qui me dit que si tu fais un aller-retour, juste un bête aller-retour. Oh, c'est classe ça. Un bête aller-retour dans une ville où il y a des choses qui sont plantées, tout a poussé. Par contre, les textures sont dégueulasses. Je sais pas ce qui se passe, là. Ah, super, le taux de zoom. Bien joué, Todd. Bravo, bravo. Enfin. Bon. It's high noon. Il faudra quand même lui mettre les cheveux plus longs. Pour faire un vrai McCray. Mais on est pas mal. Je peux savoir ce que tu fais. C'est bien ce que je pensais. Alors. Je me demandais simplement quand cette pluie infernale allait enfin cesser. Ça a l'air de bien pousser. Et ça ne pousse pas encore assez. Très bien. Mais au moins on a récupéré deux plants.
deux plans et c'est pas rien quand il réfléchit. Voilà. 80%, on y est presque. On y est presque. Quelque chose vous lie à cet endroit. Votre... Hé. Quelque chose vous lie à cet endroit. J'ai vécu ici. Ah, la vie. Non. Vous... Oh, on aurait... Je peux recommencer autant que je veux ? J'ai dit non. Ce n'est pas en même... Est-ce que je peux avoir autant de chance que je veux à la menacer ? Je me suis installé avec la couette sur le siège. Oh, c'est qualitatif. Je vais attendre 24 heures, écoute. Hein. Je vais même attendre 2 jours. Je suis allé dans mon jardin pour y planter du romarin. Oui, j'ai vu le magnum, j'ai vu le magnum. Oui, mais il faut du charisme. Ouais, j'ai déjà plein de charisme, mais apparemment pas assez. À partir de combien vous avez remarqué que le charisme suffit pour convaincre tout et n'importe quoi? Parce qu'en termes de convaincage, à part le gigolo, le skill gigolo, je vois pas d'autres skills qui permettent de convaincre plus facilement des gens au dialogue. Donc j'imagine que c'est juste la stat de charisme, en fait. Donc quelque part... Je suis content que ce soit Fanta qui l'ait fait en LP1. Moi, ça m'aurait rendu fou. Hein. Oh, j'aurais pété des câbles. Déjà, là, c'est limite. Il faut 8 faciles. Oh, il faut 2 niveaux en plus seulement. Je suis sûr que ça se fait. Je la convaincrai d'arrêter la drogue, cette vieille conne. Et c'est pourquoi je la convainc d'arrêter la drogue? Pas parce que je l'aime bien, pas parce que je veux qu'elle survive, mais juste pour lui enlever son fun. Je veux qu'elle arrête de me regarder et faire « Mais de toute façon, je suis vieille! Alors si je suis vieille, je fais ce que je veux !» Et là, je la regarde et je fais « Non, non, t'es vieille, mais tu fais quand même ce que je veux. Parce que t'es ma bitch. » Eh oui, c'est ça, hein. Eh oui. Même quand on est vieux, on est mon chien. À bois pour voir. Putain. Quel délice. Quel délice ça va être de la soumettre, cette vieille. Allez, va. Dommage, je mets bien cette vieille carcasse de bagnole, mais au moins on y voit déjà un peu plus clair. Hein. On peut pas virer toutes ces touffes? Oh well. Je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas me plaindre. Un porte-parapluie, putain. Ça va vraiment traîner n'importe quoi. Hein. Faisons du troc. Ok, et je peux pas lui demander. Vous avez la vision. Elle a... doit pouvoir. Elle ne permet pas de parler au mort. La vision aussi a ses limites. Je suis désolé. Elle a pas la vision. Elle a pas la vision. Échop, comptoir commercial, établissement commercial. Très bien. Bon. Écoute. Les plantes ont dû repousser. Ah oui, Cotworth. Je suis parti pendant... J'ai dormi pendant 2 jours. Et y'a rien qu'à pousser. Très bien. Tab. La touche tab. S'il vous plaît. Merci. Ah quand même. Oh, Todd quoi. D'accord, oui, bah d'accord, ça fait ça, ok, très bien. Ok,
quand je fais le clic droit gauche pour, enfin clic droit pour déplacer la carte, c'est pas comme ça que ça marche. Tampin's Bluff, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est là où il y a les minables, d'accord, il va falloir que j'aille les aider, très bien. Ok. La 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 le jeu de merde. Putain, Todd Howard, il faut qu'il meure. Un homme qui doit mourir. Où est le cancer quand tu en as besoin? Certainement pas chez Todd Howard. Oh, le poison, les bouboules. Les bouboules. Ils l'ont testé, leur jeu. Ils l'ont testé. Ok. Bon, au moins on passe à travers le câble. Ça a l'air de bien pousser. Ça a très bien poussé. C'est quand on se croit en sécurité qu'on est le plus vulnérable. Et c'est à ce moment-là qu'ils attaquent. Très bien. La 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 la. Les melons, les bouboules. Oh, oh, les bouboules. Les melons, oh, les melons. J'ai scotoqué le melon en trop là. Ah, oh là 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 là, je... Oh putain, oh il est beau. Oh il est beau, oh le beau. Oh le beau, oh le beau, le beau. Il va falloir que je télécharge un mode qui me permette un peu plus de liberté dans le placement des choses, parce que sinon, il y a les bouboules. Putain. Bon. C'est pas grave. Tu te laisses pas décontenancer. Tu te laisses pas décontenancer. Après tout, t'as fait ta quête. T'as fait ta quête. Donc, s'ils meurent de faim, c'est de leur faute. Allez, mon beau. Allez. Allez. Mr. Jess. Ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant qu'on a nos propres cultures, je crois qu'on va être bien ici. Le problème... c'est que plus on va développer ce petit coin, plus on va se faire remarquer. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on installe des défenses. Comme ça, Preston pourra peut-être se détendre un peu. Je pense en avoir déjà fait beaucoup pour vous. Je croyais que vous vouliez nous aider. Et j'ai quand même la quête! Et j'ai quand même la quête.
Voilà, j'ai tweeté. Voilà. J'ai tweeté, donc. Très bien. Le tweet à Todd Howard, oui. Oui, très bien. Construisez des défenses à Sanctuary, ok. Défense, poste de garde. Tour de garde. Ok, pourquoi pas. Alors j'imagine qu'ils attaquent par là, hein. Aidez-nous ou tirez-vous. Vous pourrez échanger quelques trucs? Y'a rien. Très bien, j'ai assigné le robot à la défense. Alors. Hey, Sturges. Tout le monde se... Échangeons des objets. Bah alors. Pop, fais pas le con, déplace ton tweet vite. Bah non, on s'en fout. On s'en fout. Vous avez fait du bon boulot avec ces défenses. Très bien. J'ai plus besoin de vous pour l'instant.
Mais je crois que Preston voudrait discuter. Bon. Attends. On va tweeter pour arrêter que tous les fragiles paniquent. Alors, puf. Très bien. Bon. Bon. Stocker le bric-à-brac. Mes armes, ok. Casque de chantier. Je peux le poser. Mes soins. Mes divers, c'est très bien. Mes munitions, c'est très bien. Mon inventaire, c'est très bien. Très bien. Bon. Ah. En une semaine, j'ai quand même fait plus qu'eux, ils ont fait en 200 ans, hein. Le robot va se faire trucider, il a pas d'arme à distance. Eh ben tant pis. Oh, vous ressentez les bienfaits d'un repos bienfaiteur. Ah! Intéressant. Ok, très bien. Bon. Ah oui, au fait. Toi, là. Non, toi, là. Toi, là, je te donne un ordre. Je suis salement touché. Surtout salement affecté, enfoiré. Ok, parle aux habitants et allez à Diamond City. Très bien. Très bien, donc je suis libre. Il est où? Là. Tap. Là. Là, Attendez là. Comment ça va, mon vieux? Allez, file. Attends-moi à la maison. Tire-toi. Vous pouvez pas donner d'ordre à ce personnage, très bien. Très bien. Je longe. Des fleurs, pourquoi pas. Ah, un navire. Serait-ce ça? Non, mais il y a du Nuka-Cola et un couteau de combat, je ne me plains pas. Tchè.
pas passer en mode V. Enfin. Ok. Un chien errant. Des chiens errants. Où est le McDom? Un steampack en plein cœur, un oreiller en paille et des textures dégueulasses. Très bien. Un tricycle. Il faut se rendre au lac à côté. Alors attends, c'est complètement différent de ce que tu m'as raconté. Il faut se rendre au lac à côté. Donc c'est pas juste tu sors de sanctuaire et tu pars à gauche. Alors il faut se rendre au lac à côté des sanctuaires longer la rive droite. D'accord, ah bah oui, forcément. On va partir de là et aller au nord. On va partir de là et aller au nord. Les épreuves de ce monde ne sont-elles qu'une plaisanterie à vos yeux? Vous désirez une vie post-apocalyptique plus violente? Alors mettez le niveau de difficulté survie, qui est un niveau de difficulté virtuel dans lequel votre personnage perd de la vie et les ennemis sont des sacs à PV. 11 000 balles de magnum dans la tête d'un bandit pour le mettre à genoux, et il se relèvera juste derrière. Merci Todd Howard. Très bien. It's high noon. Pas mort. Wait. Oui. Ah bah oui. Ah bah bien sûr. Tu tires au canon triple, une balle. T'enlèves deux balles sur trois. Donc j'imagine que si je vide mon chargeur, donc les trois, hein, un, deux, trois tirs, hein, il va enlever le canon et il va y avoir deux balles qui sortent. Parce que bien sûr, j'en ai tiré trois. Mais si j'en ai tiré une, c'est intéressant d'en faire sortir deux sur trois. Mais si... Rabdish. Hermétiquement fermé. Trouvé. Et du Radaway. Qu'est-ce que c'est? C'est une tempête nucléaire? Dernière volonté. Ah.
Et là, j'ai tiré une cartouche. Bon. Je l'ai raté. Trois cartouches. Donc trois cartouches. Deux cartouches. Oh là là là. Oh là là là. Mais merci en tout cas pour le magnum du luxe. J'avoue que le magnum du luxe, il est là. J'avoue, il est gardé pour les balles critiques. Putain, à chaque fois qu'il y a un éclair comme ça, je me prends plus de radiation. C'est normal ? Enfin, oui, j'imagine, mais... Après, la question que moi je pose, c'est... Ouais. C'est comment ça marche ? Est-ce que c'est une éruption solaire ? Est-ce que c'est un... T-shirt et pantalon ? Cache de capsule. Sympa cette petite maisonnette là. On est bien là en fait. Il y a bien trois emplacements, tu regardes mal. Non, mais vous comprenez pas ce que je veux dire. Vous comprenez pas ce que je veux dire. Il y a trois canons pour trois cartouches, pour trois tirs, d'accord. Je tire une balle. Il me reste donc deux cartouches non usagées. Ouais, bon, ça c'est réaliste. Je tire une balle. Il me reste donc deux cartouches non usagées. Donc je n'ai besoin que de recharger une cartouche. On est d'accord. Regardez. Là, trois cartouches. Un tir. Il enlève deux cartouches. Donc il enlève une cartouche qui était en parfait état et il la jette. Maintenant, regarde. Je tire deux coups et je recharge. Là, c'est parfaitement cohérent. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord. Et maintenant, regarde. Là, il faut tout recharger. Eh ben non, j'en mets que deux. Ça fait trois tirs. C'est là. C'est là. C'est là. C'est Todd. Mais ça, on est obligé, Bob, en fait, je crois. Mais non ! Putain, mais FIR 1 ! FIR 1 ! FIR 1 ! F-E-A-R, le premier du nom. Il est sorti il y a 10 ans. Et quand tu tires une balle avec le fusil à canon scié et que tu recharges, alors que t'as deux balles dans ton fusil à canon scié, il y a l'animation, le mec, il met son pouce sur la munition qu'il veut pas qu'il s'éjecte. C'est-à-dire, il va mettre son pouce pour empêcher la bonne munition de s'éjecter. Et il va mettre une recharge. Et c'est classe! Et c'est classe! Tu vois? Alors, à la rigueur, pour les trois. Les trois balles. Pour les trois balles et qu'il en recharge que deux parce que c'est un mode et que du coup le gars il a mal fait son jeu et que. Ok! Allez! Allez! Je me sens magnanime. Je veux bien lui le laisser. Mais. Putain, on est en 2016, Todd! On est en 2016! 2016, ça veut pas dire qu'il faut mettre des romances homosexuelles dans tous les jeux qu'on sort, Todd. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que les animations tiennent la route. Bon, tu peux aussi mettre des romances homosexuelles où tu veux, mais... C'est même pas un petit détail. Recharger, c'est un truc que tu fais 90% du temps dans ce jeu. Tu le bosses. Non ? Je suis le seul à penser ça. Je suis tout seul. Je comprends pas. Bon. Un fusil à verrou de fortune, très bien.
Fusil à verrou de fortune. Voyons voir ce que ça sauce. Ça utilise des armes des points 308. Eh ben putain. Cran d'arrêt, monsieur Porc, Canox à rouge. J'ai 5 balles de points 44. Ouh, ça sert à rien. Ça sert à rien, mais ça... C'est moi où l'animation de sortage d'armes est plus rapide quand t'es en... Quand tu joues en troisième personne qu'en première personne. Ça aussi, tu vois, c'est un truc d'équilibrage. Mais enfin, là, pour le coup, je peux pas vraiment critiquer. C'est classe. Mais enfin. Mais non, j'ai pris le normal là. C'est bon, ok, très bien. Carla l'ordure. Ça doit être une vendeuse. À mon avis, c'est une vendeuse. Oui. Salut. Alors, c'est quoi votre histoire ? Vous êtes là pour faire du troc ? Dépouiller ? Ou juste me demander le chemin de Diamond City ? Bah écoute, donnez-moi tout votre argent. Tout de suite. Ouais. Je connais la musique. C'est pas la première fois que je me fais agresser. Tenez. Et maintenant, fichez-moi la paix. Très bien, ça. Merci, Carla. Ah, la crapule. J'ai déjà payé. D'accord, bon écoute. Je voulais pas faire ça, mais je voulais juste savoir si ça passait en fait. C'est juste pour voir si ça passait. Aussi. It's high noon. Putain, faut lui en mettre dans la gueule. Hein. Putain. J'avais un marché, Trudy. Envoie la marchandise, déconne pas. Je donnerai rien à des empoisonneurs de votre espèce. Vous savez ce que cette salisserie a fait à mon garçon ? C'est lui qui l'a acheté, Trudy. C'est pas notre faute s'il est devenu accro. Ne me force pas à entrer là-dedans et bousiller ton petit magasin de merde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il est high noon. Par contre, très précis cette arme. Bon. Cependant, Cependant, voilà.
Voilà. Cependant, voilà. Hein ? Salut. Alors c'est quoi votre histoire ? Je cherche juste l'amour, mon cœur. Vous avez frappé à la mauvaise porte, mon mignon. L'amour, c'est fini pour moi, depuis longtemps. Avec un menton pareil. Dire, oh malin, vous avez fait sourire la vieille femme que je suis. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Alors, si vous voulez qu'on fasse affaire, je vous ferai une réduction. D'accord, voyons ça. J'ai un peu de tout. Soigne toutes les dépendances, pratique. Aimant haute intensité, appareil photo, arme de fortune, un pistolet, batte de baseball, du blé sur un. Oh, pour combien ? 11 caps. Intéressant ça. Je vais le prendre. Ça permet d'en planter un, qui permet d'en planter deux, qui permet d'en planter trois, etc. etc. Brique à essence, plaqué or, canne à pêche, cargaison de béton. Miséricorde. Carottes, ressources, cartouches au plasma, cartouches calibre 12. Oh, des cartouches 45. Intéressant, intéressant, intéressant. Le 45, c'est pas pour le flingue que j'ai là ? Ah non, c'est le point 44, d'accord. Dentifrice, oh, essentiel. Eau purifiée, fer à repasser. L'eau purifiée qui vaut très cher, hein. Je pourrais en produire pas mal. Feutre posselé, non merci. Fusée, huile de cuisine, jet, machine équerre, manta, microscope, mine infragmentation. Attends, on va faire ça différemment. Les armes, qu'est-ce que t'as ? Hunting rifle, non. Compensation de recul, haute sensibilité. C'est juste un flingue. C'est un flingue. Poignée confort, oh. Tenue. Perruque style banane. C'est sérieux. Ouais, tu vends ça ? Intéressant, ça, je veux bien. Je veux bien, je veux bien. Moi, en échange, qu'est-ce que je peux te vendre ? Je peux te vendre cette arme de fortune, ce pistolet. Un cocktail Molotov, oui. Je peux te vendre ce cran d'arrêt. Je vais garder ces armes, s'il te plaît. Et l'eau purifiée, t'achètes ça combien ? Seulement 8 ? Tu te foutrais pas un peu de ma gueule, toi ? Ouais, le reste, bien sûr, elle ne l'achète pour rien. Presque rien. Bon. Ah, annulé, non. Accepté. Carla. Rebonjour. Un peu de troc ? Laissez-moi y réfléchir. Dommage. La prochaine fois, alors. Carla. Il vous faut quelque chose ? La route est longue à partir d'ici. Vous parliez de m'indiquer le chemin de Diamond City. Paf. J'en étais sûr. Continuez jusqu'à ce que vous voyez. Vous trouverez le beau diamant vert. Bla bla bla. Merci, madame. Marché, Trudy. Envoie la marchandise, déconne pas. Je donnerai rien à des empoisonneurs de votre espèce. Vous savez ce que cette saloperie a fait à mon garçon ? C'est lui qui l'a acheté, Trudy. C'est pas notre faute s'il est devenu accro. Me force pas à entrer là-dedans et bousiller ton petit magasin de merde. Oh là là, on se calme. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Arrêtez de m'agiter ce flingue sous le nez, sinon je vous assure que ça va me regarder très directement. C'est bon, pas la peine de s'énerver. On va baisser nos armes. Mais vous, pas de coup fourré, hein. D'accord, donc il s'était pré-programmé pour... Maintenant, donnez-moi tout votre argent. Ah, putain.
Qu'est-ce qui se passe ici? C'est juste une histoire de fric. Trudy nous doit du blé et elle refuse de nous le rendre. J'ai essayé de la raisonner, mais j'ai l'impression que je vais devoir récupérer mon fric par la force. Vous voulez vous faire un peu de pognon facilement? Aidez-moi. Si je vous aide, j'espère que vous me payerez. D'accord. Je comptais vous payer 100 capsules, mais va pour 125. Propre. Qui est Trudy? Vous voyez le resto juste là? Il appartient à Trudy. Elle en a fait un petit magasin. Je lui vends des drogues et elle me paie en capsules et en pièces dont j'ai besoin. Quand Patrick, son fils, a eu 18 ans, et je lui ai peut-être vendu un peu de jet. Et puis encore. Et puis beaucoup plus. Maintenant, il me doit du fric. D'après ce que vous dites, il n'aurait pas dû acheter de jet et vous n'auriez pas dû lui en vendre. Peut-être bien. Mais ce qui est fait, est fait. Bon, vous allez nous aider, oui ou non? C'est tout. Vous êtes un homme d'affaires. Vous pouvez faire mieux que ça. Je suis pas là pour jouer les marchands de tapis. Vous aurez... Si je vous aide... C'est ça. Je vous conseille de ne pas m'énerver. Salut. Vous voulez ma photo? Non, t'es beaucoup trop moche. Enfoiré de dealer, j'aurai votre peau. Ah d'accord. D'accord. J'avais pas remarqué, je voulais tester. Très bien. Donc tout est considéré comme du vol ici. Ouais, elle est à sa café et tout. Et si je la déplace? Non, elle a pas l'air très... Et si je me barre avec? Je prends ta boîte de conserve, tu vois. Je me casse. Merci Todd. Ben enfin. Je touche plus jamais au jet. Plus jamais. Crétin. Ça gratte de partout. Je vous ai vu parler à cette espèce d'empoisonneur. Je ne le paierai pas. Point. Je veux vous aider, Trudy. Qu'est-ce que je peux faire? Débarrassez-moi de Wolfgang. Je ne sais pas combien. J'ai fait un marché avec Wolfgang. Si vous voulez que je le double, il va falloir être plus généreuse. D'accord. Je vous propose 125 capsules. Le même prix, mais avec la moralité de son côté, je trouve. Un petit effort. Ne m'obligez pas à revenir sur ma décision. Dans ce cas, 150 capsules. D'accord. Je vais vous débarrasser de lui. Merci. Je vous couvrirai d'ici. Liquidez-le. Fallait pas m'énerver. Ouais, je me suis fait avoir. J'ai pas fait gaffe. Le truc, c'est que je peux pas aller... J'ai pas de discrétion en fait. Hein. Vous voulez ma photo? Fallait pas m'énerver. Mon bras est touché. Ça m'a pas tué. Ah, et ça m'a eu. J'hallucine. On peut pas les assassiner discrètement. Ça marche pas dans ce jeu. C'est une vraie question que je pose. Tiens. Bon.
Je sais, j'ai pas parlé avec la vieille, chers amis. Je sais. Je vous ai vu parler à cette espèce d'empoisonneur. Je ne le paierai pas. Point. Je veux vous aider. Débarrassez. Et pourquoi je vous aiderai? Ça n'en a peut-être pas l'air, mais il y a pas mal de caravanes qui passent par ici. J'ai fait un marché avec Wolfgang. D'accord. Je vous propose 125 capsules. Un petit effort. Ne m'obligez pas. Dans ce cas, 150 capsules. D'accord. Merci. Fallait pas m'énerver. Gravement touché déjà? Je peux pas les bourrer. Apparemment, pour Todd, une balle dans la tête à haut portant, ça enlève juste un quart de vie. Mais tu vois, c'est de ça que je parle, nos coquillages. C'est pour ça que j'ai envie de jouer en très facile. Mais voilà, même si moi je m'en prends une, ok, c'est pour ça, c'est valide. Diabov, il faut leur tirer dessus de loin avec son sniper de la pauvreté. On va faire ça. Avec des balles .308. Ça a l'air propre. Par contre, j'ai envie de tester un truc et je suis désolé. Si je claque ma capacité d'avoir un VATS à 30% et que ça me coûte des AP, je voudrais dans ce cas-là que ça me fasse un vrai slow à 10%. Genre voilà, là c'est un vrai VATS. Ça coûte cher, je l'accorde, mais au moins ça rend bien. Je vous ai vu parler à cette espèce d'empoisonneur. Je veux vous aider. Débarrasser. Et pourquoi je vous aiderai? Ça n'en a peut-être pas. J'ai fait un marché avec Wolfgang. D'accord. Je vous propose 125 capsules. Un petit effort. Ne m'obligez pas à revenir sur... Dans ce cas, 150 capsules. D'accord. Merci. De quoi? D'accord, 10% de sa vie. It's high noon. Oh, c'est raté. Maman! C'est fini pour l'instant. C'est normal qu'ils étaient, entre guillemets, aussi forts, ou que je leur faisais juste aussi pas mal. Bon. Curiosité de ma part. Pure curiosité de ma part. Excusez-moi. Je vous ai vu parler à cette espèce d'empoisonneur. Je veux vous aider. Débarrasser. Et pourquoi je vous aiderai? Ça n'en a peut-être. J'ai fait un marché avec Wolfgang. D'accord. Je vous propose. Un petit effort.
Ne m'obligez pas à revenir. Dans ce cas, 150 capsules. D'accord. Je vais vous débarrasser. Merci. Fallait pas m'énerver. High Noon. Non, autant de dégâts. Autant de dégâts, autant de dégâts. Peut-être parce que j'ai chargé le... Ah oui, forcément. Oh, ça c'est beau ça. It's high noon. Quoi, j'ai pas touché? Maman! C'est fini, pied tendre. On n'est pas accusé gentiment. Ça, ça touche jamais, quoi. Pas de chance ou bien? Bordel! Ok. Ok, ok. Ils ont plus de level que toi et t'as des armes moisies, ils vont être encore plus forts par la suite. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils soient nombreux. C'est ça, en fait. Mais j'ai pas envie de recommencer 30 fois, 100 fois, 1000 fois. Enfin... Ça c'est marrant ça. Ça c'est marrant, ça c'est marrant. Je suis un humain level 8, je peux prendre 3 balles de snip dans le crâne sans mourir, tout à fait. Je vous ai vu parler à cette espèce d'empoisonneur. Je ne le paierai pas. C'est de l'équilibrage, hein, c'est de l'équilibrage, chers amis, donc rassurez-vous. Pourquoi? Ah, je reviens. Je veux vous aider, Trud. Débarrasse. Et pourquoi je vous aiderai? Ça n'en a... Et pourquoi je vous aiderai? Ça n'en a peut-être pas. J'ai fait un marché avec Wolfgang. D'accord. Je vous propose... Un petit effort. Ne m'obligez pas. Pas de ça avec moi. C'est sans cap... Oh! J'avais réussi à chaque fois. Je regrette. Bon, tant pis. Pouf! Se tire dans la tête. Hé. Hey. Je vous ai vu parler à cette espèce d'empoisonneur. Je veux vous aider. Débarrasse. J'ai fait un marché avec Wolfgang. Pas de ça. Direct? Ok. Bah non, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'accord, donc c'est pas quelque chose de prédéterminé en fait. Ah, je croyais que c'était... Ah bah d'accord, j'ai Fallout 4 qui a planté... Non, c'est bon. Je croyais que c'était quelque chose de prédéterminé, moi, bêtement. Eh ben non, il est parti. Il est revenu. Ça marche pas à tous les coups, d'accord, bah faut le savoir. Et j'ai réussi à faire planter Fallout 4, bon bah bien. Bien, 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 on le supre. On le supre, on recommence, hein, écoute. Écoute, hein, écoute, écoute. Ce que je vais faire, c'est couper...